Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment, mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? Et pourquoi pas un lave-auto? On est en enfer, Millie, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, un panneau d'affichage! Non, on n'en a pas les moyens, monsieur. Super, Moxie, tu sais, ça aide vraiment beaucoup ton attitude là. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services! Ah, ça, c'était le bon temps. Pas la peine de nous le rappeler, monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dépensé la quasi-totalité de notre salaire dans une publicité insupportable. Et vous avez même payé un supplément pour qu'elle soit diffusée pendant 3 heures non-stop sur une chaîne que personne ne regarde. Oh, et ça va, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans un jingle super entraînant, hein? C'est une distraction amusante qui change des pubs qui disent que de la merde. Les gens adorent les comédies musicales. Exactement, Millie, et ça, c'est pratiquement la même chose. Tu veux briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait? Monsieur... Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Ce que je vois, c'est mon connard de père en train de me parler et de chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Tu essayes de lui briser ses rêves, Moxie? Je... Quoi? Je pensais te connaître. J'arrive pas à croire que tu me fasses ça après que je t'ai nommé employé du mois. D'accord, monsieur. Je suis désolé, mais on peut pas comparer un jingle publicitaire à une comédie musicale. Personne n'aime les jingles. Moi, j'aime bien. Non, ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de IMP. Êtes-vous un sale connard qui mérite sa place en enfer, ou une pauvre âme innocente qui se fait salement baiser à sec de son vivant? Après avoir tendrement tué ma femme parce que j'ai plus d'avec coucher avec le livreur, j'étais grave surpris de voir que j'ai atterri ici. Après avoir été exécuté par l'état de l'Ohio, si seulement j'avais pu donner une leçon à cette balance de randonneur qui m'a vu cacher le corps! Eh bien, réjouissez-vous! Grâce à notre accès exclusif vers le monde des vivants, vous allez enfin pouvoir régler vos comptes avec l'enculé qui a ruiné votre existence. Notre équipe s'engage à finir le travail pour vous! Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous faire chier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. À Donald ou dans l'acide, on dira que c'était un suicide, appelez les infâmes meurtriers professionnels. On fait un job d'enfer, alors faites confiance aux experts. Adieu les problèmes conjugaux, gardez le couteau en cadeau, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Docteur, il ne répond plus! Il lui faut de l'eau, vite! Ça n'a rien fait du tout! Merde! N'en perdrez pas un plus! Chargez! Oui! Oh putain, ça a vraiment marché. Il est dans un état stable, mais il va falloir l'opérer. Vous êtes chez quelle mutuelle, les guignols? C'est quoi une mutuelle? Infanticide gratuit. Je tiens à dire que cet incident est entièrement la faute de Luna. Notre informateur est censé nous donner la bonne cible. C'est pas compliqué pourtant. Va sucer ta mère, Moxie. Toi, va sucer ta... fais ton travail. Hey, on met pas nos défaites sur le dos de Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Vous êtes sérieux, monsieur? Elle est nulle. Allô, IMP? Luna, on m'a poignardée! Appelle-moi! Joyeux anniversaire d'adoption, Luni! J'ai un petit quelque chose pour toi. Ça remède pour la syphilis? Je... Oh. Alors je veux pas! Ah! Pardon, c'était des araignées! Putain de merde! Des blés, ta graisse du plancher... excuse-moi, c'est toi qui m'as faxé cette brochure de régime? Non. Quoi? Mais pourquoi on m'enverrait ça? Fais pas genre. Tu sais pourquoi. Je sais pas qui est cette putain de salade d'avocat qui est dans le frigo, mais je la prends parce que je me tape la pire gueule de bois du monde, là. Mais pourquoi tu bois la veille avant le boulot? Elle vient de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. C'est pas mon déjeuner, ça. C'est quoi? J'en ai marre de toutes ces oppressions. Je veux me défouler, putain. Ah ah Blitz, il y a le pot de colle plein de thunes au téléphone, il veut te parler, il dit que c'est urgent. J'ai l'impression qu'il est en train de se toucher. Bon Dieu, c'était qu'une fois! Ah, si j'avais pas couché avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants! De quoi? J'ai le livre, j'ai le livre, il pèse une tonne ce putain de livre!
Oh, oh merde! Désolé, j'ai baisé votre mari. Blitz! C'est bon, je t'ai entendu! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi cette fois, Stolas? Il y a un candidat aux élections sur Terre qui gêne tout particulièrement l'un de mes associés. Il essaie de faire croire aux gens que le réchauffement climatique existe. C'est pas le cas? Eh bien, oui, mais plus de gens meurent si on ne fait rien pour le freiner. Et on se sent vite seul ici. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Tu sais ce qui arrive quand je me sens seul. Eh merde, c'est reparti. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer sur ta rouge, de talons et de lécher chacun de tes avant de te prendre le bout de et de le remplir avec encore plus de dents jusqu'à ce que tu cries comme un putain de bébé. Aval. Et puis tu vois le pont qui est au-dessus de l'autoroute? Ouais. Chie dessus! Le fait est que notre chère Luna est un membre à part entière de la famille et qu'on ne lâche pas sa famille. On n'est pas une famille, monsieur! Vous êtes le patron et nous les employés! Arrêtez un peu de la traiter comme une adolescente perturbée! Elle ressemble plus à une SDF droguée chargée de s'occuper du téléphone! C'est très blessant. Sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. Puisqu'on parle de la famille, pourriez-vous arrêter de nous suivre, Millie et moi, en dehors du travail? Allons, mon chéri, il ne fait rien de mal. Une seconde. Quoi? Tu me passes le beurre, mon cœur? Bien sûr, chéri. Faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui te fait rire? Une référence des plus subtiles. Mais qu'est-ce que vous faites dans le frigo? Dis, de quoi tu rêves? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, j'aimerais y retourner. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, Millie. Non mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer? Ne faites plus ça! Je vois pas où est le problème, moi, à moins que t'aies des trucs à cacher! Non! Elle est toute mini Rikiki, c'est ça? Monsieur, laissez-moi vous dire que votre comportement est totalement inapproprié! Relax, Mox, tu vas encore faire une crise d'angoisse! Je suis calme! Chut, chut, chut. Allons, allons! Eh, je ne juge pas les trucs de couple chiant que vous faites pendant votre temps libre, alors ne me juge pas! Au contraire, monsieur, je vous juge! Beaucoup, même! Mox, c'est notre patron! Non, non, ça va, Millie, ton mari est juste... Comment dire ça, sans être offensant? Attardé! Est-ce que m'insulter de manière puérile vous fait vous sentir mieux dans votre misérable petite vie? À vrai dire, oui. La seule raison pour laquelle t'as une femme, c'est que t'es facile à gérer. Non, c'est faux, sale pute! Ne parle pas à ma secrétaire comme ça! Elle est sensible. Ouais, d'abord! Vous êtes tous que des salopards. Ah, ta gueule, petite! T'as de la chance d'assister à ça. C'est le bordel, cette entreprise. Revenons à cette intéressante conversation sur ma tenue. Mais on parlait pas de ça. Justement, j'essaie de lancer le débat. De quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? C'est une vraie torture de faire semblant d'être paralysée pour pas me faire buter. Mais maintenant, c'est ce que je veux. Je veux mourir. Toi, t'es qu'un clown radin et égoïste. Et je suis un gosse. Je suis censé aimer les clowns. Même ceux qui font peur. Eh oh, et c'est pas super. Si j'avais voulu la vie d'un connard mot du gland, je t'aurais tiré la couille pour te prévenir, du con. T'es mariée à ce truc? Je pensais bien que t'étais une info, mais je pensais pas que tu les bouffais si petites. Et toi? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Non, rien. Je parle pas aux chiens. Tu me chattes des os. Waouh. C'est quoi, gamin? T'es qu'un petit con, en fait. Ah oui, je suis d'accord. C'est vraiment un petit con. Oh putain! Les gars, je viens de recevoir un message. En fin de compte, c'était la bonne cible. Qui? Lui. Moi? Ouais. Ils voulaient vraiment qu'on tue un gosse? C'est ce qu'ils disent, ouais. Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe! Vous savez, le but de cette entreprise, c'est de prouver que nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tuer des gens. Alors, chez les infâmes meurtriers professionnels, nous nous engageons à satisfaire nos clients. Ou alors votre fric sera à nous et on ne vous remboursera jamais. Allez-y, écrivez un mauvais avis, mais on fera la sourde oreille parce qu'on est en enfer et que tout le monde s'en fout. Vous savez, même si ce gosse était une de nos cibles, c'était un enfant. Et il est de notre responsabilité de régler cette affaire avec respect.
Je vous en prie, si quelqu'un a vu mon petit Teddy, je vous en prie, appelez-nous. Il y a pas de quoi. Oh, je chéris cette pluie couleur rubis. Quand mamie Lizzie Mars a tué, c'est mon ange de la mort, ma déesse de l'amour pour la vie. Oh, Millie, ma reine du crime, mon millésime. Je frémis lorsqu'elle poignarde ses victimes. Leur cri, leur agonie est une douce mélodie si jolie. Oh, Millie, et quand tombe le sang en clapotis, suivi par les corps sans vie, mon cœur est conquis. Il chante avec nos tirs en harmonie. Ma tueuse aguerrie, chaque meurtre elle embellit. Oh oui, la la li. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, oh Millie.